Tiffany. Tiffany est la plus belle, mais c'est du level, Tiffany. Parce qu'elle est grande, elle a un beau visage. Moi, Tiffany, je l'ai connue dans mon aventure précédente, vraiment dans un état, pas de maquillage, rien, et je l'ai trouvée déjà magnifique. Tiffany, très très belle. Yelena. Yelena, je la trouve plus pétillante. Toutes les deux sont très très jolies. Très jolies. Mais disons que Yelena, j'aime bien plus son côté un peu toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Donc ce qui fait qu'elle a un petit peu plus de charme. Oh, dégueulasse. Aurélie Hilary. Hilary a beaucoup de charme, très très mignonne. Aurélie a un très beau sourire, un beau regard. Franchement, toutes les deux, je peux pas les séparer. Là, c'est dur, franchement. Parce qu'elles ont tous les deux styles totalement différents. Et j'ai été agréablement surpris par le physique d'Hilary ici au quotidien. Mais Aurélie est très jolie. Donc là, je ne sépare pas. Toutes les deux sont très jolies. Entre Liam et Sarah Frézou, pas parce que je l'aime beaucoup, mais Sarah. Sarah, elle a un visage magnifique. Et j'aime beaucoup Sarah. Sarah, moi, je ne regarde pas que le physique. Elle a un gros charisme. Elle a un sourire qui est vraiment très séduisant. Sarah, haut la main, Sarah. C'est vrai en plus. Bon, on enlève le côté affection. Voilà. Entre Tressia et Yamina, c'est vraiment... Putain, c'est chaud parce qu'à chaque fois, je vais dire Yamina. Yamina parce qu'elle a un petit sourire qui est un regard, c'est ce qui fait le petit plus. Et puis moi, je suis plus côté fille un peu plus typée que blonde du Nord. Donc voilà. Tressia est très jolie, mais Yamina est un peu plus pétillante. Entre Beverly et Océane, c'est dur parce qu'aucune des deux. Je trouve aucune des deux très jolie. Donc maquillée, quand c'est très très maquillé, Océane est un peu plus jolie. Bonjour, c'est Pascal. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube VD Buzz. À bientôt à tous.